which I think shed light on a lot of things that we'll be able to do together. So without further ado, I will give the floor to Karima. Karima. Thank you, Tala. Good afternoon, everybody. First of all, I would like to share a frustration with you. My colleagues during these past year, days have been reporting to me what was happening in this meeting room, and I felt that I was missing, really, an important moment and an important gathering and an important dialogue. We were here as EDEP to listen to you. As you know, EDEP is a capacity development center, and as such tries to address member states' expectation, member state needs, and for us what happened during these past 4 years in this room is the expression of what is happening at the level of your countries in a very specific sector, a sector that is critical for the development of the continent, for the achievement of Agenda 2063, for the achievement of the corresponding objectives of the development goals. So for us, it was very important to be associated with this activity and to have been partnering with AUDANEPAD in its implementation. We have done so also because as a member of the Africa Economic Commission for Africa family, we are part of the network that has been established 18 months, 2 years ago, to look at curricula for the energy sector. And again, it was the reason for us to be part of this process. So since I said that we are here to listen to you, I will not say more for now, but I'll just give the floor to the professor to let us know what are the major outcomes of this week, knowing, and I'm sure this is part of what you have done, Prof and colleagues, knowing that for us it is not just an isolated event, it is the launch of a process, and with the coordination and leadership with the AUDANEPAD, a process that would lead us to a better reply and better positioning in our assistance to our member states who are in need for advice and guidance sometime in their development processes. So, Professor, you have the floor. Just one thing. I just forget to mention important institutions. Professor El Misri, who's my elder, you know, reminding me. I just forgot, and I apologize for that. Would like also to thank institutions, all the institutions that are present here and contributed a lot, ECA, the Economic Commission for Africa, the African Union Commission, AFRIC, and Africa TIP. So I hope I haven't forgotten anybody. COMESA as well. So everybody who's been here. So if I forgot anybody, I apologize, but just thank you to all, Prof. Merci. Je m'exprime ici au nom des 11 États africains présents à la Réunion. Ce privilège m'est donné parce que je suis quand même le doyen aussi en ces lieux. Alors, Monsieur le chef du personnel de l'Agence de développement de l'Union africaine, Madame la directrice de l'IDEP, Mesdames et Messieurs les participants au présent atelier de réflexion sur les questions de planification et de mise en application de la gestion des questions de l'énergie dans nos pays. Mesdames, Messieurs les collaborateurs du NEPAD, je n'ai pas les noms et la liste de tous les collaborateurs ayant participé aux présentes assises. Nous voici au terme de 4 jours de fructueux débats ayant permis des échanges enrichissants
entre les ressortissants de quelque 11 États africains sur les questions essentielles de recherche de bien-être de nos populations que constitue la planification. Which is the planning and management of energy. À la présente rencontre, chacun de nous était certainement dans l'attente d'en retirer des fruits en termes d'une meilleure perception des enjeux liés à la maîtrise, du choix des options, de la planification, de la mise en œuvre des programmes, éléments qui constituent les bases d'un développement durable répondant aux attentes de nos populations pour une amélioration de la qualité de vie dans leur environnement. Les situations décrites par les intervenants ayant apporté des informations sur les disponibilités énergétiques dans leurs pays respectifs ont clairement montré la convergence des problèmes de production et de sécurisation des offres énergétiques. Il ressort de nos débats que le NEPAD peut apporter aux États qui le désirent sa contribution et son aide dans la conception autant que dans l'élaboration d'une planification de leurs besoins énergétiques sur les courts, moyens et longs termes, ce qui permettrait une mobilisation plus efficiente de toutes les ressources, tant humaines que matérielles, tout comme financières, pour conforter et accélérer leur marche vers un développement durable. Ayant l'expérience de nombreuses réunions organisées par différentes agences ou institutions, UNESCO, OUA, CEA, CEDAO, CSTR-OUA, c'était la Commission scientifique et technique de la recherche de l'OUA sur les questions d'énergie renouvelable. J'étais venu à la présente rencontre en ayant quelques inquiétudes sur et quelques appréhensions d'en repartir en la comptabilisant comme une rencontre de plus. Je dois reconnaître que les apports de la rencontre ont malgré tout répondu à mon espoir. Ils ont été riches, instructifs, concrets et ils nous laissent espérer que les données, les connaissances acquises constituent des outils de travail utiles qui pourront constituer une aide à mieux appréhender dans nos États les questions énergétiques. Alors, mes remerciements s'adressent au NEPAD d'avoir eu cette heureuse initiative qui nous munit des outils devant aider nos États à mieux aborder les questions de choix énergétique en termes de choix des options, de planification, de réalisation, tout comme en termes de recherche des moyens de financement qui, ne l'oublions pas, sont plus facilement mobilisables dans des projets régionaux. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter aux uns et aux autres un bon retour dans vos foyers, en espérant donc qu'il y aura un prolongement du travail que nous venons de suivre pendant ces quatre longues journées dans le resserrement de nos liens et dans la recherche donc de plus d'efficacité dans la question de mobilisation des moyens de mise au service de nos populations de l'énergie. Je vous remercie. Merci, professeur, pour ces mots qui, somme toute, nous laissent sur note positive, nous font terminer la rencontre sur note positive, puisque, comme vous l'avez si bien dit, et comme cela avait été notre souhait, nous, organisateurs, nous espérons que ce ne sera pas une rencontre de plus,
arrangé dans la série de rencontres qui ont eu lieu sur le sujet. C'est un sujet éminemment sensible et éminemment complexe qui a été traité effectivement depuis des décennies avec plus ou moins de bonheur, en général moins que plus, malheureusement, quand on voit l'état de notre accès à des ressources énergétiques au niveau du continent. Et donc, j'espère qu'à partir de là, nous ouvrons une page, je dirais, plus constructive et qui donnera lieu à des activités très concrètes. Aouda n'est pas si engagé d'un point de vue de ses relations avec les États membres et de son nouveau rôle au niveau de la Commission de l'Union africaine. Nous-mêmes, au niveau de la Commission économique pour l'Afrique, côté siège, cela fait partie des domaines que nos États membres ont indiqués comme étant des domaines prioritaires et qui constituent un élément central de notre travail de l'intégration régionale, de notre travail sur le financement du développement, dans notre travail sur la transformation verte du continent, la transformation numérique du continent, puisque tout cela a un rapport d'une manière ou d'une autre avec les questions énergétiques. Et pour nous, au niveau de l'IDEP, les questions énergétiques ont toujours fait et continueront à être parmi les cours que nous dispensons, que ce soit des cours en ligne depuis quelque temps ou les cours in situ ici à l'Institut sur ces questions-là. Ce que je voulais noter aussi, chers participants et chers partenaires également, c'est que la nouveauté avec les objectifs de développement durable par rapport aux objectifs du millénaire et le grand défi qui se pose à nos pays, c'est qu'il faut que nos pays considèrent leur développement comme un tout, non pas monolithique, mais un tout pluridimensionnel, en ce sens qu'aucun secteur n'est complètement dissocié des autres secteurs du développement. Et donc, de ce fait, je vous invite à réfléchir également à la manière de poursuivre cette discussion au sein de vos départements respectifs, bien évidemment, mais également en relation avec tous les autres départements qui, d'une manière ou d'une autre, sont liés à la mise en œuvre de l'agenda 2063 et à la mise en œuvre de l'agenda 2030. Je pense que c'est une question fondamentale. Qu'il y ait une approche verticale, qu'on puisse aller de la stratégie à l'opérationnalisation avec évidemment un suivi et une évaluation au niveau d'un département particulier, mais surtout qu'on puisse avoir une démarche horizontale qui permette à tous les secteurs concernés d'être partie prenante. Aujourd'hui, on parle de production privée d'énergie. Comment est-ce que les producteurs privés discutent avec un gouvernement? Quelles sont les relations, les règles du jeu? On parle de l'accès dans les zones rurales. Quelle est la relation de ce que vous faites avec un programme de développement rural intégré, etc., etc. On parle d'industrialisation, on parle de verdir l'agriculture. Donc tous les départements sectoriels de votre pays ont d'une manière ou d'une autre un lien avec ce que vous faites et ce que vous allez faire. Et je pense qu'une réflexion nationale autour de ces sujets permettra par la suite à Aouda Nepad et à tous vos partenaires d'avoir une réponse intégrée également qui ne soit pas seulement sectorielle, mais qui puisse regarder ce sujet dans toutes ses dimensions. Ça, c'est mon conseil à vous. Et c'est le conseil en général que nous donnons à tous ceux qui passent dans nos locaux. Nous sommes en relation avec nos anciens stagiaires pour préconiser justement une discussion intersectorielle au niveau des pays suite aux formations que nous leur proposons. Alors, je suppose que maintenant, est-ce que mes collègues sont prêts avec, je ne les vois pas dans la salle, ils vont venir avec les certificats. Nous allons vous remettre les différents certificats, mais j'en profite effectivement comme Tala pour remercier tous les partenaires qui ont travaillé avec nous. Je ne considère pas la CEA comme un partenaire. Moi, je fais partie de la famille de la CEA. Donc, quand je parle, la CEA parle. Donc, nous avons décidé d'avoir une voix pour une institution. Mais tous les partenaires qui ont participé à la formation, de la même façon, je ne considère pas la Commission de l'Union africaine comme un partenaire. Nous faisons partie de ce qui s'appelle le secrétariat tripartite, Commission de l'Union africaine,
Commission économique pour l'Afrique, Banque africaine de développement. Nous avons une structure qui nous permet une concertation tout le long de l'année pour que les aspects politiques, les aspects techniques et les aspects financiers du développement puissent se retrouver et travailler de pair et que vous, États membres de vos institutions régionales, vous ayez des positions qui soient homogènes et qui ne soient pas divergentes. Donc là, nous sommes dans la même famille et toutes les autres institutions qui jusque-là étaient partenaires, j'espère qu'elles feront également partie de la grande famille. Tala a cité IRENA, a cité le CSIR, mais nous avons d'autres institutions panafricaines qui ont été avec nous et qui ont fait du très très bon travail, aussi bien pour la préparation que pendant la réunion et qui, j'espère, continueront à marcher avec nous tous dans le cadre de la mise en œuvre, parce que nous ne pourrons, professeur, vous l'avez dit, juger du succès de cette rencontre que si derrière il y a des réalisations. Un bon rapport et une bonne évaluation, nous en serons très contents, mais par la suite, s'il n'y a pas de réalisation, c'est que Aouda Nepad et nous-mêmes n'aurions pas atteint nos objectifs et nous n'aimons pas ne pas atteindre nos objectifs. Donc, j'espère que tout cela va se concrétiser, en tout cas de notre point de vue. Nous suivrons nos collègues de Aouda Nepad pour nous assurer que, en tout cas dans le cadre de notre mandat, nous puissions apporter toutes les contributions nécessaires à la mise en œuvre. Voilà, donc j'ai laissé le temps à mes collègues. Professeur, allez-y. Je me permets de reprendre la parole. Je pense qu'il est quand même d'usage, quand on est venu en pays étranger et qu'on a si bien mangé, si bien dormi, de remercier ceux qui ont organisé cet accueil plus que chaleureux. Je ne sais pas si ça ira au maire ou si vous interpréterez cela comme vous voulez, mais en tout cas, nous avons été merveilleusement accueillis et il faut décerner un satisfecit complet à ceux qui sont occupés d'organiser notre rencontre et notre hébergement. Tous nos remerciements au nom de tous les participants venus de l'extérieur. Merci, professeur. Je suis persuadée que tous mes collègues de l'IDEP sont sensibles à vos paroles. Vous savez, vous êtes ici en terrain international, hein, vous êtes au niveau des Nations Unies, mais nous sommes hébergés par le Sénégal et nous ne pouvions pas faire autrement que nous adapter aux coutumes locales dans un pays qui s'appelle le pays de la Teranga. Donc c'est une hospitalité qui est devenue naturelle. Voilà. Tala, oui. Ok. Merci, Karima. Je voudrais aussi... pour conclure de mon côté de façon définitive, en tout cas en ce qui concerne cette cérémonie de clôture, remercier Karima et son équipe. Je ne peux pas tous les citer. Il y a Mustapha qui n'est pas là, qui a été avec nous dès le départ, a organisé toutes les conférences téléphoniques, échangé les documents, validé toute la procédure que nous avons suivie. Ron qui est quelque part ici. Très grande pour qu'on puisse se voir, qui est de façon très calme, qui a fait un travail de coordination exceptionnel. Mais je vais être un peu, prendre part pour deux personnes particulières du côté de notre organisation, sans qui cette réunion que nous avons eue cette semaine n'aurait pas pu avoir lieu. La première personne à qui je voudrais adresser ces remerciements sincères de mon côté, c'est de l'autre côté, c'est merci. Merci. Voilà. Elle a organisé toute la logistique, la liste des invités, les billets d'avion, l'hôtel, etc. Nous, on est juste venus, on a vu la liste hein, et puis on ne s'est pas posé de questions. Et puis, nous avons un autre collègue qui s'occupe de tout à l'Agence de développement de NEPAD que je vous invite sérieusement à connaître, parce qu'il sait tout. C'est quelqu'un de très dynamique, il est très jovial, il est très social, il s'appelle Mohamed Abdissalam. Il est où, Mohamed? Mohamed. Et évidemment, je vais terminer par professeur El Misri, qui est un des pionniers et connus en Afrique dans,
dans le domaine de l'énergie tout court, donc qui est un parrain, qui est quelqu'un qui aide beaucoup de collègues au niveau de l'agence UNEPAT à apprendre ce qu'on fait en matière de développement énergétique d'infrastructure, et qui est un conseiller spécial du CEO du UNEPAT. Donc je le remercie également, et l'ensemble de tous ceux qui ont contribué, je ne veux oublier personne, mais en tout cas merci beaucoup. Et nous allons suivre de façon très pertinente la feuille de route sur laquelle nous sommes tombés d'accord hier. Encore une fois, merci beaucoup. Merci, Talan. Qui est-ce qui va faire l'appel ? On est déjà. C'est bon, allô ? C'est bon, si, c'est clair. Donc, bonsoir tout le monde. À la fin du discours, nous souhaiterions passer à la remise des certificats de participation, et nous aimerions inviter les récipiendaires à venir retirer leurs certificats ici au niveau de la table d'honneur. Nous appellerons les pays par ordre alphabétique. C'est bon, vous m'entendez? D'accord. Non, c'est bon, je reste ici. Donc, sans plus tarder. Ah, bon, d'accord. Je me mets près du drapeau. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec le Burkina. Et nous aimerions inviter M. Talakebe à remettre les 10 premiers certificats. Nous appelons donc M. Diané Bamorifine du Burkina Faso. Faire le tour pour la photo. Yeah, c'est ça. Oui, c'est la configuration de la salle. Elle n'est pas très adaptée. Diané Bamorifine, s'il vous plaît. Oui, il arrive. Nous passons maintenant à M. Kabore Pipi Kassida Paul. Nous demandons à M. Ouattara de se préparer. C'est au tour de M. Ouattara Karamogo, et nous demandons à M. Palm Khalifa de se préparer. Nous appelons M. Palm Khalifa et nous invitons M. Dende Kanya Salvatore à se préparer. Monsieur Dende Kanya Salvatore, s'il vous plaît. Et nous invitons Monsieur Denis Ndagijimana à se préparer. Monsieur Denis Ndagijimana, s'il vous plaît. Et nous invitons Monsieur Gaëtan Nikaenzi à se préparer. Nous invitons M. Nemazagoa Bakota à se préparer, s'il vous plaît, de la Centrafrique. M. Désiré Nemazagoa, vous vous préparez, s'il vous plaît? Il n'est pas là? D'accord. On passe à l'Érythrée et nous invitons M. Tesfaye Andom. Tesfaye Andom.
Monsieur Zekarias peut se préparer également. Nous appelons Monsieur Tesfaye Andom. Oui. Oui, d'accord. Ils sont venus à deux. D'accord. Nous invitons maintenant Madame la Directrice à remettre les 10 certificats suivants. C'est bon, Tesfaye Andom. C'est bon. Nous poursuivons avec Eswatini et nous appelons Miss Dlamini Tibane. English. Oui. Oui. Yeah. Eswatini. Oui, Eswatini, c'est ça. Mm-hmm. Yes, yes, that is the one. Mm-hmm. We invite Miss Holileng Khumalo to get ready. Holile Khumalo, and we invite Miss Winnie Stewart to get ready. Holile Khumalo. We are calling now Miss Sophie Kangoma. Sophie Kangoma. Non, c'est Malawi maintenant. Miss Winnie Stewart, please. Sophie Kangoma, she's here. And what is her name? Living in America, c'est ça. C'est Elle Stewart, okay. Stewart. Winnie Stewart, please. We are calling now Miss Sophie Kangoma. Already, okay. That's fine. Miss Regina Kulugomba. Regina. Okay, Regina, je sais pas, Regina, je sais pas. There are some countries that say Regina. Ghana or something like that. Miss Esther Luara from Malawi. And we invite Mr. Silungwe to get ready. Mr. Silungwe, Malawi, no, okay. Miss Mataveya from Mozambique, Miss Mataveya from Mozambique. And we invite Mr. Namwera to get ready. Okay, they are together. Mr. Namwera, nous passons maintenant la main pour la remise des certificats à Monsieur le conseiller spécial, Monsieur El Misiri. Les 10 autres certificats. Nous invitons maintenant Monsieur Garba Abdul Azizou du Niger et nous demandons à Monsieur Maï Moussa de se préparer. Madame Hawa Saïdou, s'il vous plaît. Monsieur Albert Michel Wright. Ah.
Monsieur Wright, oui. Nous demandons à Monsieur Yagi Akimi de se préparer. Nous demandons à Madame Bandila Judith de se préparer de la RDC. Madame Bandila Mansama Judith, et nous invitons Monsieur Mabiala Mvumbi Bob de la RDC. Mabiala Bob. Nous invitons M. Jean-Baptiste Maté Mbaïrindi à se préparer, s'il vous plaît. M. Jean-Baptiste, il n'est pas là? Ok. Il est là. Nous restons avec la RDC et nous invitons M. Muzungu Djakolo, docteur. Et nous demandons à M. Lamine Harris de se préparer. Lamine Harris. Il n'est pas là. Apparemment, il n'est pas là. M. Faye Papa Antoine. M. Faye Papa Antoine. Il n'est pas là. Faye Papa Antoine. Et nous passons la main à M. Melwana pour la remise des 10 autres certificats. Oui. Nous appelons la Sierra Leone avec M. Conte Umaru Andrew. Et nous invitons M. Junissa à se préparer. Please get ready, Emmanuel. Junissa, Emmanuel, please. Next, Mr. Koroma James Romeo, please get ready. Mr. Momo, Mori. Mr. Momo, not here. Momo, okay, next. Mr. Ngevao Moussa, not here, next. Nous appelons le Tchad, Monsieur Douzoune Malay. Il n'est pas là. D'accord, okay. Douzoune Malay. Douzoune Malay, d'accord. Bon, nous vous remettons en même temps votre certificat. Donc, nous passons à Madame Ramadan Diaye Abderrahim, s'il vous plaît, du Tchad. Nous restons avec le Tchad et nous appelons Monsieur Larmé Daboua Corbet Thomas. Et nous invitons Monsieur Nour Saler à se préparer. Monsieur Nour Saler est là? Non? D'accord. Nous passons la main et nous invitons Monsieur le professeur à remettre les certificats restants. Et nous passons à l'Ouganda. So we are calling Mr. Atwin Abdon. And we invite Mr. Kintu to get ready.
Mr. Kintu, please. Okay. From Uganda. Next, Mr. Lutwama Charles William. Lutwama Charles William. No. Okay. Next, Miss Mutamba Sylvia Richwell. And we invite Mr. Shilesh from Zambia. Merci beaucoup à tous. Je pense que nous avons couvert la salle. Nous allons vous distribuer plus tard les enveloppes pour mettre vos attestations, s'il vous plaît. Merci. Félicitations à tous. Je voudrais juste vérifier que personne n'a été oublié. Vous avez tous reçu... Oui, parfait. Il ne me reste plus qu'à conclure, mais je voulais juste dire que la semaine dernière, au nom de l'IDEP, nous avons rencontré un certain nombre de vos représentants permanents à New York et nous les avons sollicités pour un appui moral aux activités de vos pays liées à la mise en œuvre du développement durable. Nous l'avons fait en bilatéral. Nous avons été reçus par le PR, Uganda PR, qui est responsable de coordonner les activités sur les PMA et qui fait du très, très bon travail sur ces questions-là. Donc, je pense qu'on pourra faire un suivi et lui transmettre les résultats de cette rencontre pour le sensibiliser. Lui-même ainsi que la commission, la représentation, la mission d'observation de la commission de l'Union africaine à New York, puisque qu'il y ait un relais entre le système des Nations unies et ce qui se passe au niveau des États membres. Donc encore une fois, mesdames et messieurs, d'abord je voudrais souligner que la prochaine fois, Tala, j'espère qu'il y aura autant de mesdames que des messieurs. N'est-ce pas, mesdames? Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc, messieurs, invitez vos sœurs à participer à ces réunions. Nous sommes pour la parité ici et nous poussons la parité. Je voudrais également remercier, j'ai remercié tous les partenaires, mais maintenant, je voudrais faire une mention spéciale à Oudan EHPAD. D'abord, souhaiter à Oudan EHPAD beaucoup de succès dans sa nouvelle mission, dans ses nouvelles prérogatives. Je pense que le continent a besoin d'une institution comme AUDA pour mener à bien les décisions qui sont prises par nos chefs d'État et de gouvernement au niveau politique, au niveau de la Commission. Mais maintenant, il faut porter cela. Le NEHPAD l'a fait pendant des années, mais je crois qu'avec la redéfinition du rôle de l'agence donc, et son baptême en AUDA EHPAD, nous allons faire un saut, j'espère, quantitatif et qualitatif qui va permettre que tous nos États trouvent auprès de l'agence tout l'appui nécessaire. Nous-mêmes, en tant qu'institution, nous sommes là pour contribuer dans la mesure de nos propres prérogatives et moyens au succès de la mission de AUDA EHPAD. Donc, Tala et collègues, Mr. El Misri, je vous souhaite à tous, personnellement et institutionnellement, tout le succès dans votre mission. Je voudrais également m'associer à Tala pour remercier toute l'équipe du NEHPAD qui a participé de loin à l'organisation de la rencontre. Tu en as cité deux, je vais les nommer également, donc c'est Mohamed et Mercy. Je pense que c'est important qu'on puisse travailler en partenariat et mettre des noms
des visages derrière des noms qui nous ont accompagnés au cours des dernières, Shukran Mohamed, au cours des dernières semaines, des derniers mois en fait, ça fait quelques mois que nous travaillons sur l'organisation de cette réunion. Évidemment, remercier tous mes collègues de l'IDEP. Je suis navrée que, je dirais, le chef d'orchestre au niveau de l'IDEP de cette rencontre qui était qui est Monsieur Mustapha Sadnijelab, qui est le chef de la division en charge de la formation et de la recherche, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pas pu être avec nous cette semaine. Il a participé de loin, il a suivi, il a orienté, il a recommandé, il a critiqué, il a joué son rôle de coordinateur de loin, et toute son équipe qui était là a travaillé avec beaucoup d'entrain et beaucoup de bonne volonté. J'espère que nous avons été à la hauteur de vos attentes. Remercier nos interprètes qui nous permettent, comme d'habitude, de nous exprimer dans la langue que nous préférons et qui nous permettent de nous comprendre malgré nos différences linguistiques. Je comprends que pour certains d'entre vous, il reste une journée de visite à Dakar. Je vous encourage à en faire le meilleur usage. Dakar est une ville très intéressante. J'espère que la pluie rafraîchira l'atmosphère, mais ne vous empêchera pas de vous promener et de prendre la température de cette ville si vivante, qui est un hub régional très important. Nous étions ravis, honorés de vous avoir parmi nous à Dakar. Nous avons un processus que nous sommes en train de mettre en place, qui nous permet de rester en contact avec les personnes qui sont passées dans nos locaux, dans le cadre de réseaux sectoriels, ce que nous appelons les communautés de pratique chères à Tala, puisque vous savez que Tala est entre autres un expert dans le knowledge management. Donc des communautés de pratique sectorielles, mais également des relations transversales, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de vos pays. Nous étions au Mozambique il y a quelque temps pour cela, nous l'avons fait au Gabon, nous l'avons fait dans plusieurs pays. Voilà, bonne fin de séjour, merci de votre confiance en l'IDEP et évidemment le NEPAD et de votre présence parmi nous. Bonne fin de séjour à Dakar, bon retour pour ceux qui retournent chez eux dans vos pays respectifs, et restons en contact, et je vous souhaite le meilleur. Au revoir. Nous invitons tout le monde à se retrouver en bas. Un cocktail est offert. En bas, au niveau du jardin. Merci. Il est en train de distribuer.